En commune Arcaye qui genre population a vive dernier attaque bandit à examen été fait contre population ça nous arrivé établi contact avec magistrat Jules Jean Edner magistrat principal commune Arcaye qui en direct avec nous. Bonjour. Bonjour monsieur Guerrier, bonjour Ferdinand, bonjour Parisien, bonjour, auditeur, auditrice. Moi, salue la population sur la zone. Je suis là, je suis et je suis de l'autre côté. Mm-hmm. Et comment la situation est dans Akaye, dans le moment où on a parlé là? Bon, c'est depuis lundi dernier, nous sous attaque féroce, bandit armé, sorti, on côté c'est dans Akaye, on côté c'est sur la Mea, on l'autre côté sur Bercy. Bercy, c'est une zone limitrophe entre communes Arcaye et Cabaret. Donc, situation était vraiment féroce pour nous, chaotique. Donc, c'est en bah, pile bataille population hein, avec la police qui peut être qui ont arrivé repousser bandits qui étaient déjà arrivés à Saint-Médard, dans la porte entre ville, centre-ville là, pour mettre derrière jusqu'à Bercy. Et on a parlé à là, grâce avec support pour la population avec la police, bandits ont arrivé, quitté ville là, mais ville nature sous menace attaque. De temps en temps, on gagne pas, de temps en temps, on leur gagne pas. Toujours. Mais cependant, nous sommes capables de profiter de micro ça pour nous saluer. Et puis au niveau de l'État dans la police, qui te font bel effort le mardi après-midi, te voyons support pour nous, renfort pour nous. Et tu gagnes là, on trois chats. Et c'est grâce à chat ça que nous arrivons à gagner le dessus sur bandits armés. Mais quand on a parlé là, nous avons des bagailles avec l'État haïtien. Pour les bagailles avec l'État haïtien, c'est à renforcer la communauté des ressources humaines, c'est-à-dire mettre plus d'agents policiers dans la commune. Et au moins, on a gagné deux chats qui étaient dans la commune. Qui a consolidé et ça nous vient comme acquis. Et deuxièmement, mesdames, ça clan la police dans différentes unités, capé des populations qui dans la bataille contre gang yo, pour capable perdre yo, pour une dérision gang yo, pour pas décourager puisque ça c'est un gros morcelier. Et m'a dit population de merci que c'est si la vie dans notre pays, notre frontière qu'a vu dans commune là qui contribue grandement, permet que le monde va pouvoir manger, nous allons boire, nous alimenter en carburant, tout chaillot. Donc merci population ça. Mais l'État central là tout, au niveau protection civile tout ça, faut voir, j'ai regardé population ça qui dépasse massivement, qui vit dans ces communes là, tout à coup, le 6e matin, qui vit Boabou, il est là, Digbo, pire dans la section. Donc monde ça a dormi, monde a dormi sur les étoiles. Donc ça veut dire, la gueule de vous boire côté vous, et si mon femme enceinte, vieille, tout ça, il y a un gros problème. Je pense bien dans le ministère des Affaires sociales. Donc il faut avouer, j'ai gardé la population ça, qui jusqu'à maintenant, vous avez dans la caillou, mais qui a vécu une vie difficile, extrêmement difficile. Donc je m'en dis pour que le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires sociales, font une activité pour être que mon saillot. Ouais bébé yo, ça a besoin de médicaments, ça a besoin de l'eau, ça a besoin de bagages de ça, on va pour manger tout ça pour survivre le temps pour vilain fin purifier, fin éradiquer en façon pour population capable retourner dans la caillou. Mm-hmm. Donc ça veut dire dans mon on a parlé là, population toujours pas dans centre ville à Caillère et gagne un peu le monde qui aller la Gonave selon information yo et donc, on dit là, moun yo, dans situation difficile à cause que yo pas jwenn de l'eau, et manger, etc. Oui, très extrêmement difficile parce que vous connaissez, un matin, vous levé, et vous avez tiré, vous couru. Donc, vous avez un frère de la population créé qui a été battu à gang yo pour ne pas apprendre pour venir en otage. Mais cependant, si moun yo, l'autre moun qui couru, jeune moun yo, moun qui est en troisième âge, tout ça, moun sa yo ya viv dans les gangs à la Gonave, c'est vrai, j'en dis, hein? Mais qui allait dans ce communal yo. Or, qui n'y a pas de moyens logistiques pour yon vivre comme ça. J'en dis, hein, yo, la vie aussi, difficile. Donc, on l'aime, on a vivre dans la vie provisoire.
comment ça est pour lui, on n'est pas trop pareil pour ça. C'est d'un coup, il y a 10 situations. Donc ça a demandé un support, ça a demandé un accompagnement. L'État même pour être que mon yon yon capable de jusqu'à ce que ville en mesure pour recevoir à nouveau la caillou. Ok. Et par exemple, qui zone côté d'Adi qui est touchée après Sainte-Ville à Kaye? Qui l'autre zone, par exemple, qui gagne un peu le monde qui est obligé de courir et quitter? Par exemple, nous avons un premier Boukassin. Côté de Boukassin, son zone Bercy, Ligue Bercy, Ligue Vigny, Ligue Thomas, zone Ligue Robert. Zone ça, c'est là même bandit a été attaqué. Donc, c'est là où il y a plus de cas, c'est là où il y a plus de machines. Donc, moun ça a totalement quitté la zone. Nan. Okay. Mais leur quitté, il y a eu une autre structure communale. Vous voyez? Mm-hmm. Mais la situation est venue avec eux. Non seulement ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, et quand ils brûlent, ils ne peuvent pas brûler. Ça ne peut pas brûler, ils ne peuvent pas garder un caillou encore. Donc, ça, ils ne peuvent pas alimenter, en manger en eau. Ils ne peuvent pas disponible pour eux. Ça veut dire que ils ont une situation difficile. C'est vrai, les populations sur la zone, ils ont une équipe qui est hospitalière, ils ont aidé eux. Mais quand même, on connaît qu'on manque. Et manque ça, il doit être comblé par l'État haïtien. Et c'est ça que fait me faire appel avec le ministère des Affaires sociales pour venir avec les PAM, les PAM par exemple, en protection civile, pour venir regarder comment on peut aider les gens, peut-être que les petits bébés, les grands, tout ça, je ne vais pas manger pour boire. En attendant que nous continuions, l'État continue, pour se continuer, et bien propre ville pour que la population puisse dans le caillou. Mais il y a un combat pour l'État à faire. Si vous regardez, il y a une vidéo là où la population à Chiloise dans des concerts avec la police est arrivée et qu'il y a un commissariat à Cabaret et vous avez vu le commissariat. Donc, pour l'État, pour nous conserver à qui ça, il faut l'État envoyer au moins plusieurs unités Cabaret pour reprendre, pour restaurer le commissariat à Cabaret, peinturer le métier avec des portiers. Permettre que la police soit capable de loger avec plusieurs champs, comme ça que laisse à nous seulement l'État pour prendre cabaret correctement, et laisse à tout le monde en carrière la prendre, sauf puisque depuis que la bande est cabaret, c'est comme si nous avons une carrière, donc nous avons subi l'attaque. Donc pour attaquer la FNB, pour nous conserver à qui c'est que nous battons pour que nous gagnions comme maintenant, faut-il dire que l'État haïtien, dans le niveau ministère et justice, ministère intérieur plus DG la police, monsieur DG Rameau, et réseau et bâtiment qui loge comme ça, là, et des policiers de différentes unités, et mettons des chabouillots, qui peuvent être bataille sous zone canard, sous zone citoyen, et conserver comme une cabaret, comme ça, arrondissement Kaya qui vient comme une Akaya Kabaret, et des populations après l'on souffre. Magistrat, hier nous avons une vidéo. Nous avons parlé de l'école, même pomme d'affaires, ou bien fait de fermer. Donc, nous avons dit commune a vu une situation difficile, extrêmement difficile. Donc, pas qu'une activité qui fonctionnait dans Akaye. Bon, en fait, non, pour rien. Légèrement, il y a des côtés, nous avons une petite boutique, mais avec la peur, on y est fermé. Ok. Mais nous avons une vidéo, magistrat. Magistrat, nous avons une vidéo côté gagné de policiers unités spécialisées qui étaient présents dans le commissariat à Cabaret. C'était pour un moment? Bon, ouais, c'est pour un moment. C'est les policiers qui viennent à Cabaret. Pendant la bataille pour sécuriser les communes, ils ont fait des visites à Cabaret, plusieurs visites. Et parmi les visites, hier, ils ont été logés dans le commissariat à Cabaret. Mais pas de commission pour ça, pas de vote pour ça. Donc, c'est une visite, c'est pour te calmer la population sur hasard, c'est pour montrer l'État, pour montrer la population que l'État est présent. Et c'était mon façon pour faire une bande de pression, pour montrer que l'État a fait le dessus. Donc, c'est ça qui fait que le présent à Cabaret, dans le commissariat, pour avoir un signal. Mais au contraire, moi, t'as souhaité DCPA, DG la police, saisir des opportunités de ça, pour renforcer la police dans la commune. Mettez plusieurs unités dans le cabaret, mettons deux ou trois chars blindés qui pour nous allons sécuriser le commissariat, sécuriser la population. Et c'est va-et-vient, qu'on peut être qu'il n'y a pas arrivé. C'est une occasion, c'est une opportunité pour l'État haïtien saisir et visiter ça que la police, au niveau communal en carrière, fait hier.
après-midi. D'accord. Merci un peu, magistrat. Bon la journée. C'est à moi, monsieur. Merci, bonne journée.